Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 1, alors des épisodes spéciaux de Nanatsu, donc 4 épisodes. Donc rassurez-vous, on va parler de ça dans 2 secondes. Juste pour que je reprenne le titre parce que je vais vous le faire en 3 langues. Ça s'appelle en japonais Seisen no Shirushi, Signs of Holy War en anglais et en français, donc les signes de la Sainte Guerre qui va bientôt arriver dans l'univers de Nanatsu. Voilà, ça c'est fait, j'ai réussi ma part du boulot. Bref, donc pour ceux qui se posent la question par rapport à la petite minerve que je porte, c'est simplement que j'ai chopé un coup de froid, donc faites super gaffe par rapport à la canicule, restez pas trop près ni de la clim ni d'un ventilo. Voilà, moi j'avais pas de clim, j'ai un ventilo chez moi. Je suis resté un peu trop longtemps exposé dessus, en plus j'étais pas à côté de moi, elle était assez loin, elle était pas très fort non plus. Enfin bref, là, je vous raconte un petit peu ma vie et j'ai chopé un gros coup de froid qui m'a un petit peu bloqué tout l'arrière de la tête, d'où cette petite minerve pour éviter voilà, que je tire un petit peu trop fort et que ça fasse crack tout simplement. D'ailleurs, il voilà, faut que je garde un petit peu la tête assez droite par rapport à ce point-là. Bref. Donc, eh ben, ça m'a fait super plaisir de redécouvrir, enfin même découvrir quelque part Nanatsu parce que j'avais pas énormément regardé. Je vous avoue que la première saison de l'anime, j'avais regardé le début, je crois, jusqu'à la récupération de Ban. Ouais, je vous jure que j'ai regardé que ça, j'ai pas regardé la suite, donc voilà, je sais que c'est un tort et j'essaierai de rattraper mon retard. Mais en tout cas, voilà, j'étais impatient de voir cette saison 2 adaptée en anime, surtout que là, on démarre avec 4 petits hors-série, mais bon, qui en sont pas vraiment, c'est juste un petit peu de l'introduction, histoire de faire le pont entre la fin de la première saison d'anime, qui était pas du tout celle qui correspond dans le manga, et le début, justement, voilà, de la suite qui correspond donc dans le manga, donc on va permettre d'introduire certains points, et de donc développer certains autres points qui n'ont pas été développés dans le manga. Au final, c'est pas plus mal, même si pour ce premier épisode, j'avoue que je suis resté un petit peu sur ma fin, mais bon, voilà, je pensais pour réintroduire un petit peu les personnages, ou les introduire, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la première saison, qui sait. En tout cas, voilà, histoire de bien remettre un petit peu tout dans le contexte, et ça fait super plaisir, même s'il y a beaucoup de références à certaines choses qui sont passé à la fin de la première saison, vous en doutez bien, et certaines choses qui m'ont teasé un petit peu la suite, et que voilà, le titre de cette saison 2 n'est pas, enfin, le titre de cette petite partie, quoi, les signes de la guerre sainte, n'est pas quelque chose d'anodin. Oh non, loin de là. Bref, on est parti. Alors, on démarre directement donc avec la fête à Lyonnaise, donc après la victoire contre Hendrickson qui coïncide aussi avec la fête du royaume. Enfin, c'est plus la fête du royaume, mais en plus, hein, comme, voilà, ça leur permet un petit peu de faire la fiesta par rapport à la chute d'Hendrickson. Et donc, t'as Meliodas qui est tranquillement au bourg Hadd, donc on est un petit peu en périphérie de la capitale donc de Lyonnaise, qui retrouve Elisabeth, un petit peu tout ce qui se passe, voilà, qui sont un petit peu content après la bataille, tout simplement la grande bataille contre Hendrickson. Et donc, elle le remercie voilà, de les avoir sauvés. Et Meliodas, donc, voilà, qui leur retourne un petit peu le compliment. Voilà, on est content, et puis surtout que c'est grâce à elle au final que tout ça a pu réussir à se résoudre. Au final, les deux ont été aussi importants l'un que l'autre avec les Taizai, bien entendu. Et donc, bah, mais quand, finalement, Meliodas lui déclare que son voyage n'est pas encore terminé, loin de là, encore une fois, et que donc il a encore pas mal de choses à faire. Donc, directement, après, on switch par rapport au lendemain, et puis on va voir donc Elisabeth s'est réveillée, donc voilà, avec la joie de vivre, qui commence un petit peu, à être toute gaga et tout, hein, qui se dépêche de déjeuner et tout. D'ailleurs, ça surprend Margaret et puis Véronica, donc quoi, ouais, qui sont aussi attablés avec elle, donc quoi, ouais, toute la famille est en train de déjeuner, même Laura Baltra, voilà, qui voit un petit peu qu'elle va super vite et tout, voilà, elle déjeune super vite, et puis après, elle se casse. T'as même Grilla Mort, d'ailleurs, qui est avec Véronica, qui est encore en béquille, voilà, suite à ce qui s'était passé précédemment, voilà, qui est encore un petit peu en phase de rééducation et de récupération. Et puis t'as Elisabeth, donc ouais, qui a la joie de vivre, qui sort par la grande porte du château, même là les gardes disent « Oh, c'est la princesse Elisabeth, pardon, la reine, l'absus révélateur, qui sait ?» Donc ouais, elle commence un petit peu à traverser la ville, elle voit un petit peu la joie de vivre, et puis donc qui va rejoindre le Bourg Hadd, qui est encore endormi suite à la grande beuverie qui s'est passée la veille, et qui va se reproduire le soir même, quand on le verra à la fin de cet épisode-ci. Enfin, après, je ne sais pas si ce sera à la même échelle, mais quand même, en tout cas, voilà, tout le monde est encore en train de cuver, excepté Meliodas. Et puis d'ailleurs, bah, t'as Elisabeth qui va en profiter pour aller monter à l'étage, aller faire un petit peu de ménage, nettoyage. D'ailleurs, elle va retrouver Hawk, donc voilà, qui va lui dire ouais, de toute façon, c'est juste des gros porcs. Moi, j'aime beaucoup, il insiste beaucoup par rapport à ce point-là, vu que lui, maintenant, il est devenu un petit porcinet. Ah, je vais l'appeler porcinet, Hawk, ça lui irait comme un gant, ce petit surnom-là. Allez, c'est vendu, je l'appelle porcinet. Et donc, ouais, vu qu'il fait. Il est avec Elisabeth, c'est un petit peu en train de tchatcher, puis d'ailleurs elle lui demande où est-ce que Meliodas s'est passé, puis donc Hawk lui dit voilà, qu'il sait pas trop, jusqu'à ce que Elisabeth va rentrer à l'intérieur, donc pour voir un petit peu ce qui se passe, essayer un petit peu de farfouiller, et puis donc Meliodas, voilà, qui comme d'habitude va se retrouver dans les jupons de sa chère et tendre Elisabeth, et donc ouais, avec ces petites retrouvailles qui vont s'amorceler à ce cher moment-là, enfin les retrouvailles après le lendemain, vu qu'on les avait déjà lues au début de cet épisode-ci. Alors, c'était quand même assez cocasse cette scène-là. Et justement, bah, il l'a cherché vu qu'il a préparé une toute nouvelle recette. Alors, je sais pas si c'est une sorte de terrine fait maison, vu qu'il l'a un petit peu fait, en plus façonné, il l'a un petit peu modelé à la forme de Hawk, en plus Hawk mini. Donc, ouais, ça aurait été pas mal que ce soit Hawk justement qui bouffe sa version miniature. Mais au final, voilà, tout le monde a un petit peu renoncé. Hawk le premier, Elisabeth aussi, voilà, on connaît un petit peu la cuisine de Meliodas, c'est pas celle de Ban. D'ailleurs, ça se vérifiera bien là aussi à la fin de l'épisode. Et puis au final, bah, c'est Hauser et puis Guild Thunder qui vont déguster tout ça avec Meliodas. Donc, Hauser, bon, là, il dégueule d'un coup. Guild Thunder va sortir pour aller vomir dehors. Tandis que Hauser lui va rester raide mort, enfin là il va un peu raide comme un piqué, il va pas trop bouger, et ça aussi c'était
Ah, c'était pas plus mal. Et puis d'ailleurs, Hugues va pas mal insister par rapport à ce fait-là, par rapport au fait qu'il aurait dû servir ça à Hendrickson et que voilà, ça aurait été plus simple pour essayer d'en finir avec lui. Et après, on va revenir donc sur deux autres Taizai, donc en l'occurrence Ban et puis Merlin, donc ouais, qui étaient déjà réveillés. Donc je sais pas s'ils avaient cuvé aussi toute la nuit. Bon, Ban, on sait qu'ils tiennent assez bien l'alcool. Merlin, je crois pas qu'on ait eu l'occasion de l'avoir, mais en tout cas, voilà, c'était pas mal. Et donc, qui se retrouvent bah, là aussi pas loin justement du château. Donc ils auraient pu croiser Elisabeth le matin en train de partir du château royal, si on peut le qualifier comme ça. Donc directement pour retourner un petit peu dans les souterrains, là où se trouvait le démon Grid Hendrickson, enfin un des plus puissants démons qu'ils aient affronté. Et donc bah Ben directement qui lui dit qu'il a envie de régler son compte avec ce démon, voilà, d'éradiquer un petit peu, de l'éradiquer de la surface de la Terre. Donc le démon est mort, hein, voilà, rassurez-vous, le démon Grid est décédé, voilà, ça moi c'est confirmé. Mais son corps est toujours présent, donc lui il a envie de le terrasser, de le faire disparaître. Donc c'est pour ça je pense qu'il s'est rendu à cet endroit-là. Alors, au début, je croyais qu'il se rendait en fait à la corne de Céonos, vu que là, en plus, ça se trouve à peu près au même endroit, enfin, pas très très loin, voilà, d'un point, enfin, de part et d'autre, vu que c'est à peu près dans le même dédale souterrain, enfin, à peu de choses près, comme on le verra à la fin de cet épisode-ci, alors que pas du tout, vu qu'en plus, c'est vrai que la dernière fois, bah, c'était Ban qui était rencontré à la corne de Céonos, et donc, voilà, qui fait directement la connexion avec le clan des déesses, mais on va voir à la fin de l'épisode-ci, et ça, justement, c'était un point important, que c'est Meliodas qui va s'y rendre, alors que, voilà, c'était Ban le dernier à s'y être rendu, et que là, bah, ici, c'était pas tout à fait le cas. Bref. Donc, quoi qu'il en soit, bah, Merlin, après, ça a placé une sorte de petite champ de protection, barrière magique pour pas que Ban puisse l'atteindre. Donc, ouais, même avec son Nunchaku, il n'arrivera pas à passer au travers. Puis, donc, au final, il va renoncer. Puis, Merlin, voilà, justifiera le fait, voilà, de pas laisser Ban agir un petit peu comme il veut par rapport au fait qu'elle a 2-3 expériences à mener dessus. Donc, voilà, ouais, c'est un petit peu la scientifique de la bande, c'est un petit peu la mage aussi de la bande des Taizai, notre cher Merlin. Voilà, comme Merlin Enchanteur, c'est un petit peu ça. Enfin, c'est un petit peu logique aussi, surtout avec Arthur. D'ailleurs, qui n'était pas présent, ça aussi. Bon, je pense qu'il a dû retourner à Camelot, lui aussi. Mais bon, il était tout le temps fourré avec Merlin. Donc c'était assez surprenant. Et donc au final, bah, ça se règle sans trop de difficultés. Puis Ban retourne au Bor'at, comme on va le voir un petit peu après, même s'il ne va pas croiser directement notre cher Meliodas. Ce qui va nous permettre directement de retourner au Bor'at, donc là où ce coup-ci, bah, Hawk a disparu, donc voilà, suite à ce qui s'est passé un petit peu précédemment, donc voilà, par rapport au fait que Meliodas voulait à tout prix lui faire goûter un petit peu de la terrine, et donc voilà, surtout aussi le fait qu'il voulait le manger. Non, c'est pas qu'il voulait faire goûter de la terrine, autant pour moi, voilà, j'ai un petit peu tout confondu, ça c'est le fait d'avoir mis justement sa nouvelle préparation en forme de Hawk, ça m'a un petit peu perturbé. En fait, non, il voulait un petit peu pour assaisonner sa nouvelle recette, que ça irait bien avec un petit peu de viande dedans, parce qu'en fait, dans sa petite terrine, enfin, sa petite préparation, il y avait juste des légumes à l'intérieur, donc quoi, pour un petit peu le tout, pour un petit peu assaisonner tout ça, bah, il fallait un petit peu de viande, et penser justement que Hawk, voilà, ferait un bon plan. Donc voilà, bon, après ça c'est un running gag qui est assez récurrent, et qui va être justement le point de départ du but de cet épisode là, qui va être un petit peu la recherche de Hawk, comme on va le voir un petit peu après. Donc Meliodas va réveiller un petit peu tout le monde, donc voilà, t'as King et puis Diane, donc King qui est trop content, oh, ma petite Diane chérie a dormi sur ça, Stéphane, je suis trop content et tout, enfin, ouais, c'était assez marrant. Et donc même à Hauser, voilà, puis Gip Thunder qui était déjà réveillé, donc voilà, final, Meliodas va lancer un petit peu les paris, voilà, par rapport au fait que le premier qui arrivera à récupérer Hawk, et bah tout simplement pourra lui demander un petit peu ce qu'il voudra pendant une journée. Donc voilà, ouais, il sera un petit peu à la disposition de cette personne-là. Donc ouais, vous entendez bien que ça fait arriver un petit peu pas mal de personnes. Et donc bah, tout le monde va se lancer, là, il faut que j'arrive à articuler, à la poursuite de notre cher Hawk. Alors ça va démarrer directement bah, avec notre cher, bah, le groupe de Meliodas, formé de Meliodas, Gil Thunder et puis justement de Elisabeth, voilà, qui va le retrouver dans un premier temps. Mais avant d'arriver sur ce point-là, sur cette retrouvaille assez fortuite, il faut bien le souligner, je voulais revenir sur un point assez important par rapport au fait que Elisabeth a insisté auprès de Gil Thunder par rapport au fait qu'il s'était sacrifié. Donc voilà, quand justement, ça me vient justement de vous remettre un petit peu dans le contexte, qu'au moment en fait où Zarathras, le père de Gil Thunder, avait été tué par Hendrickson et Dreyfus, donc il y a pas mal d'années quand même, voilà, après sous l'influence aussi du clan des démons, ça faut bien le souligner, et que justement à cette époque-là, eh ben on avait justement notre cher Gil Thunder et puis justement Margaret qui était présent. Et donc, au final, Gil Thunder qui avait décidé de se sacrifier un petit peu pour être directement la victime et la cible du sort d'Hendrickson, donc quoi, un petit peu d'être possédé par les démons et d'être un petit peu directement son sujet. Et justement, Margaret était au courant de tout ça, elle en a pas mal souffert justement, voilà, il y avait leur relation amoureuse, et justement, elle a mis au courant Elisabeth de tout ça. Et donc, bah, au final, Elisabeth lui fait part de toute sa gratitude par rapport à tout ça, parce qu'entre-temps, t'as Gil Thunder qui était quand même pas mal, voilà, qui en avait un petit peu gros sur la patte par rapport à ce qu'il avait fait à Hawk, donc déjà dans la forêt blanche, c'est pas de bêtises, là où ils avaient rencontré Diane, il lui avait foutu un coup de pied, il avait un petit peu cramé, donc voilà, bon, un tout petit truc, ouais, il pensait que Hawk lui en voudrait pas mal par rapport à ça. D'ailleurs, il l'appelle
Il l'appelle porc au lieu de l'appeler hawk, mais la prononciation est assez similaire en japonais, donc ouais, ça aussi je m'en suis aperçu en écoutant les biens, donc ouais, c'est un petit peu normal au final, même Hauser et puis justement j'allais dire Diane, non, King, bon aussi on fait un petit peu de même, comme on les verra un petit peu après, mais au final, voilà, au final, Elisabeth on n'a pas du tout gros sur la patate par rapport à Guild Thunder, ses excuses sont acceptées, sont acceptées pardon, même par rapport au fait après que Guild Thunder va s'excuser par rapport à ce qu'il a fait subir aussi à Elisabeth par rapport à tout ce qui s'est passé, le fait d'avoir mis un petit peu en difficulté, et surtout bah, par rapport au fait après, Elisabeth va insister par rapport à ce point-là, par rapport au fait qu'il va. Qui veut tout simplement quitter le royaume, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être un petit peu pour avoir sa rédemption. Et donc, bah, Elisabeth lui fait un petit peu la demande directement, après elle profite un petit peu de son statut de princesse, faut bien qu'elle en profite un minimum, pour insister par rapport au fait qu'elle voudrait qu'elle reste au royaume pour pouvoir rester auprès de sa sœur, et donc ouais, qu'elle reste auprès de sa dulcinée, surtout qu'il va enfin pouvoir vivre un petit peu sa passion et son amour avec sa chère et tendre après tant d'années de séparation, du justement au sort d'envoûtement et d'entravement d'Hendrickson et puis même des démons de manière globale. Et aussi en parallèle de ça, bah, Guild Thunder voilà, fait un petit peu part du vœu qu'il voudrait faire, tout simplement s'il arrive à récupérer Hawk le premier, simplement de pouvoir de nouveau réaffronter Meliodas en tournoi. Donc voilà, en plus c'est son maître d'armes, c'est celui qu'il a un petit peu formé, qu'il a un petit peu entraîné, donc voilà, vous connaissez un petit peu le pitch par rapport à Guild Thunder. Et donc bah, voilà, au final, c'est quelqu'un de très très brave et qui a cœur justement de pouvoir obtenir sa revanche contre son mentor, contre son sensei aussi, si on peut le qualifier comme ça, son senpai. Enfin bref, vous avez bien compris tout ça. Et justement, bah, Hawk qui va se pointer un petit peu après, d'ailleurs Meliodas va le reconnaître, va sentir sa présence vu qu'il va arriver par derrière alors que justement ils étaient en train de descendre les escaliers pour essayer d'atterrir sur lui, et bah, justement ça a donné un petit peu lieu à une scène assez cocasse avec Meliodas qui va s'appuyer justement sur les jambes d'Elisabeth, donc voilà, là aussi dans une situation sous sa jupe encore une fois assez coquinette, et donc va demander à Guild Thunder, donc ouais, les petits Guild va récupérer et tout, donc ouais, il va se déplacer assez vite avec sa foudre et va manquer justement de le rattraper avec Hawk qui va réussir quand même à lui foutre un bon coup de punch en pleine poire, donc voilà, vu que lui c'est un petit peu préparé avec ses mains, donc Hawk va réussir à l'esquiver et ping, voilà, en pleine tête, et donc bah, au final t'as Meliodas qui continue de courir, voilà, alors, en plus il a choper Elisabeth comme ça avec sa tête, donc elle était restée entre ses deux jambes, et donc elle a commencé à courir en la portant, donc même Elisabeth va dire mais là, ça va, posez-moi et tout, bon, voilà, c'était une scène assez cocasse et assez mignonne, enfin assez mignonne, et puis même Meliodas il avait pas du tout atterri qu'il avait qui était parti à la poursuite de Hawk en tenant Elisabeth dans cette position totalement inconfortable. Et donc, bah, après, ça va nous donner lieu justement d'arriver sur l'autre groupe, justement composé de Hauser, King et puis Diane, quoi, qui aussi vont essayer de s'attirer les faveurs de notre chère Dulcinée, d'ailleurs, qui est toujours rétrécie, ouais, qui est restée dans sa forme un petit peu normale, vu qu'elle est géante, quand même, je le rappelle à la base, c'est pas rien. Et donc, ouais, au final, bah, c'est quand même plus pratique qu'elle soit dans sa taille humaine, et puis ouais, ça arrange un petit peu tout le monde, et au final, bah, c'est vrai que ce serait plus facile pour arriver à conclure à la fois pour Hauser et pour King, parce que j'avoue que voilà, si elle était restée de sa forme géante, ça restait assez compliqué. Putain, je commence un petit peu à partir en cacahuète là. On va un petit peu se ressaisir. Mais bon, voilà, désolé, ça tourne quand même un petit peu autour de ça et ça va un petit peu continuer avec King et Hawk, surtout quand ils vont le croiser un petit peu après. Et donc, ouais, bah, les deux commencent un petit peu à se charrier, donc, ouais, entre King et puis Hauser. Et puis au final, t'as Diane qui est quand même assez contente que les deux étaient là pour la protéger. Donc là aussi, encore une fois, durant l'arc de la bataille de la capitale, comme j'aime bien tant l'appeler, et le combat contre Hendrickson, donc, ouais, qui était un petit peu la finalité de tout ça. En tout cas, voilà, ça faisait super plaisir. Et puis les deux, en tout cas, bon, quand même, la gratitude et toute la reconnaissance de notre chère Diane, même si, comme elle a un petit peu cassé leurs espoirs juste après, en disant que voilà, allez, faut vite qu'elle se dépêche de récupérer Hawk pour qu'elle puisse obtenir un rencard avec Meliodas. Donc voilà, c'est même pas un triangle amoureux, là, c'est un quatuor ou un quintet amoureux. Enfin voilà, c'était quand même assez hardcore, mais en tout cas, voilà, c'était quand même assez marrant. Non, ouais, quatuor, qui sont quatre. Bref. Donc après, bah, Hawk apparaît comme par hasard, donc est-ce qu'aussi passe par la jupe de Diane, et donc King ne peut pas s'empêcher un petit peu, voilà, il va sauter sur l'occasion, donc il va lui dire allez arrête de bouger Diane, je vais essayer de le choper, puis au final voilà, il va lui polquer ses seins, et puis Hawk va lui dire ah tu m'as raté et tout, et donc ouais, il finit un petit peu par partir, donc après voilà, ça va être au tour de Hauser d'agir, et donc il va un petit peu se servir de ses pouvoirs du vent pour le récupérer, donc avec la tornade, et puis au final Hawk va se servir justement de l'effet de rotation du vent pour pouvoir l'utiliser à sa propre, voilà, de son propre côté pour pouvoir shooter Hauser, donc ouais, c'est quand même fait deux gros chevalier sacré d'un seul coup, c'est pas rien quand même, donc chapeau à toi Hawk, surtout dans ta forme miniature, et puis au final bah, t'as King qui va être laissé sur place, bah, vu que Hawk est reparti un petit peu plus loin et que Diane l'avait récupéré dans ses bras, et donc t'as King qui continue un petit peu à perdre du sang un peu à la Sanji, donc il dit oh dépêche et tout, enfin voilà, c'était assez marrant, et comme on va le voir donc un petit peu après, donc t'as Guild Thunder et Hauser qui vont se retrouver, donc ouais, les deux groupes qui vont se retrouver avec en même temps justement la poursuite d'Hawk, dans un premier temps bah, t'as Hauser qui a envie de faire une grande tornade pour essayer de récupérer Hawk, tandis que Guild Thunder de son côté va le casser directement avec sa foudre, t'as les deux justement qui vont pas mal se chercher, ça c'était pas mal, t'as les deux groupes qui vont se retrouver, et au final bah, Hawk arrive à les semer,
Et donc, à la fin, on voit que la journée commence un petit peu à se terminer, donc qui est un petit peu plus loin, et qui va être attiré par une odeur assez douce, assez délicate, assez onctueuse, donc qui va l'attirer lentement mais sûrement. Et vous en doutez bien, de toute façon, ça on l'avait vu à ce moment-là, que c'était notre cher Ban qui avait réussi à la récupérer puis à l'attirer. Surtout en parallèle de ça, les autres ont lâché un petit peu l'affaire, ils vont décider de rentrer au Borat, et donc on va voir que Hawk a été récupéré par Ban. Donc Ban va saisir un petit peu l'occasion et dire ouais, en fait, c'est moi qui ai gagné le concours au final, donc c'est moi qui vais pouvoir te demander ce que je voulais. Donc on se doute bien aussi de ce qu'il veut, enfin, en tout cas, on va le voir un petit peu après. Ça va être reconfirmé. Et au final, Mélodas dit, ah bah non, en fait, j'ai dit que c'est le premier qui l'attraperait, puis c'est Mélodas qui le saisit en premier. Donc au final, la promesse a un petit peu rompu. Donc ouais, tout le monde est un petit peu dit, ouais, t'es un tricheur, t'es un lâche, surtout Ban qui assiste là-dessus. C'est reparti en ripaille et puis en boisson. Donc ouais, avec tout le monde qui est en train de boire et puis de picoler, ou en train de manger et tout. Enfin, ouais, c'était sympa. À part Ban et Mélodas commence un petit peu à se chercher, puis voilà, ça un petit peu à se titiller par rapport au fait que voilà, Mélodas lui dit qu'il a triché alors que pas du tout. Et au final, Mélodas lui dit, vas-y, de toute façon, lâche l'affaire, je sais ce que t'allais me demander, t'inquiète pas, on le fera quand même, notre petite confrontation, notre petit combat. Donc voilà, dès le lendemain, donc on réglera un petit peu nos comptes, comme on va le voir, donc un petit peu après, ce qui est directement lié à la corne de Cérinos, car je le rappelle, pour que Elaine puisse être ramenée, ça aussi on l'avait appris dans la première partie, et ben donc Elaine, chère douce de Ban, voilà, vous vous rappelez bien, là, je m'adresse vraiment à ceux qui suivent que l'animé, pas ceux qui suivent le manga, vu que vous savez très bien ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, par rapport au fait que justement, pour pouvoir régler tout ça, la DDS avait proposé en échange justement de Ban pour qu'il puisse ramener Elaine que Ban tue Meliodas. Donc voilà, ça quand même, c'est un compte assez difficile à régler. Surtout voilà qu'en plus Ban aime bien traquer et chercher les démons. Donc voilà, alors, je sais pas s'il a encore l'information. Enfin, je me rappelle plus si à ce moment-là il avait l'information que Meliodas était un démon ou pas. Ça aussi, c'est encore une fois assez obscur. Enfin, là, on sait que Meliodas a des pouvoirs de démon. Alors après, est-ce qu'il est lui-même un démon ou pas? Enfin, ça serait ça aussi, c'est assez mystérieux. Et là, attention, ceux qui suivent le manga, merci de pas spoiler, ça aussi c'est un point important à rappeler. Et comme on va le voir un petit peu après, t'as Meliodas qui va aller raccompagner Elisabeth chez elle, voilà, tranquillement et tout. Et puis justement, Elisabeth qui s'inquiète un petit peu, qui lui dit Meliodas, alors vous savez quoi justement ce que vous allez faire avec ce que vous avez discuté avec Ban, est-ce que c'est pas quelque chose de dangereux au moins? Donc Meliodas comme qui lui dit non, t'inquiète pas, c'est pas quelque chose de très très sérieux. Donc qui veut le cacher un petit peu le fait qu'ils vont devoir quand même s'affronter dans un gros gros combat, quand même limite un combat à mort. Donc il va falloir quand même un petit peu que les deux se donne à fond. Donc il a pas trop envie de la faire flipper par rapport à ça. Et puis il va la ramener chez elle, donc voilà, au château. D'ailleurs, le roi Baltra va pas manquer d'engueuler un petit peu Meliodas par rapport au fait qu'il la ramène assez tard, même si on va pas trop insister là-dessus. Et comme on va le voir justement sur la fin de cet épisode-ci, Meliodas va descendre à la corne de Cérinos. Donc voilà, là où je vous disais que Ban était descendu la première fois, et là où l'échange avait été proposé avec le clan des DS. Et donc voilà, même le clan des DS lui dit, oh, t'as envie de te battre contre moi et tout, mais en fait, je suis pas en état de pouvoir me battre. Enfin, la DS ou le clan des DS, on peut le qualifier comme on veut. Enfin, en tout cas, le seul artefact, en tout cas dans le monde des humains, qui permet d'interagir avec les déesses et puis leur présumé monde, en tout cas c'est ce qu'on suppose. Et justement, voilà, ça va tourner un petit peu à l'échange, ça va tourner un petit peu sur les reproches par rapport à tout ça. Enfin, là, c'était quand même assez hoche par rapport à tout ce qui tourne un petit peu à ça. Et donc, voilà, par rapport au fait aussi que son apparence n'est pas changée depuis tant d'années, ça aussi, encore une fois, ça soulève pas mal de questions. Attention de ne pas se poiler, vu que dans le manga, voilà, on a quand même pas mal de réponses par rapport à ça. Ça aussi, c'est intéressant de voir ça, de faire le parallèle entre l'anime et le manga par rapport à ces points-là. Et donc, aussi, elle insiste par rapport au fait que Meliodas a accompli quelque chose de vraiment impardonnable, donc voilà, un péché infâme, quelque chose de vraiment très 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 grave par le passé. Et donc voilà, justement, ses compagnons, donc en l'occurrence Stasia, vont pas tarder à connaître sa vraie nature, et qu'au final il se retrouvera tout seul. Enfin, elle le considère quelque part qu'il est un petit peu tout seul, qu'il n'a pas d'alliés ni dans le clan des démons, enfin voilà, qui sont un petit peu ses frères, donc ça aussi c'est confirmé, ni les géants, ni tous les autres, enfin voilà, ni... Ah, bref, toutes les créatures qui peuvent exister, et qui au final, voilà, ni les fées, enfin, voilà, tout ce qui est un petit peu autour de ça, alors que justement, tous les Taizai, t'as un petit peu tout, voilà, t'as Diane qui est une géante, t'as King qui est une fée, enfin voilà, c'est assez marrant justement de tourner un petit peu autour de ces points-là, et que donc, voilà, il n'a pas trop intérêt à s'accrocher à ces gens-là, ou à ça, ou à s'intéresser justement à ces gens-là, parce que tôt ou tard justement il finira un petit peu tout seul, et c'est justement là que Meliodas va lui répondre, à lui dire, voilà, touche pas à mes amis, donc je pense qu'il insiste aussi, enfin, qui fait référence au précédent échange qu'il y a eu justement entre Ban et puis justement le clan des DS. Donc voilà, va pas commencer à corrompre mes amis, t'approche pas d'eux, leur parle pas d'eux, et tout simplement voilà, moi je resterai toujours sur ma ligne de conduite, donc voilà, en l'occurrence de défendre et de protéger Elisabeth. C'est aussi encore une fois d'insister sur ce point-là dans cet épisode-ci, justement, avant de la raccompagner chez elle, que voilà, que son objectif, que même s'il a l'air repartir en mission, c'est vrai que j'ai pas trop insisté sur ce point-là, par rapport au fait que Elisabeth voulait venir avec lui, que donc Meliodas lui dit non, ça risque d'être trop dangereux et tout, donc voilà, moi je veux m'assurer de ta protection, et c'est voilà, ma seule raison de vivre, limite, c'est de te protéger, de que tu restes en vie, tout simplement, que tu restes en vie et puis en bonne santé, donc voilà, je peux pas prendre le risque de te faire courir des risques, justement, encore une fois, et encore plus, voilà, quand il se retrouve par rapport face à la déesse, et là, directement, tu peux comprendre qu'il insiste sur ce point-là, que tout simplement, voilà, peu importe qu'il ait un royaume qui se décide
de se déclencher sur lui ou de se déchaîner sur lui ou sur Elisabeth, il accomplira toujours sa mission et voilà, il gardera toujours la même ligne de conduite, donc à savoir protéger sa chère et tendre Elisabeth. Et ça, en tout cas, bah, ça fait super plaisir à entendre. Et d'ailleurs, ça s'applique pas seulement à Elisabeth, on l'a vu que tout simplement les gens qui lui sont chers, donc on peut aussi compter les Taizai à l'intérieur. D'ailleurs, on voit que ça commence un petit peu à le titiller, à l'énerver quand il commence un petit peu à voilà, libérer ses pouvoirs de démon et puis à se déchaîner, puis à voilà, un petit peu à éclater la corne de Cernos. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il l'a détruite ou alors est-ce que ça n'a pas eu de gros effets justement directement? Enfin voilà, ça c'est vrai que c'est le gros point d'interrogation qu'on peut se poser par rapport à ça, vu que dans le manga, bon, on n'a pas eu du tout cet échange-là, voilà, ni de question, et puis je crois pas, même pas qu'on ait revu la corne de Cernos depuis justement l'interaction entre Ban qu'il y avait eu justement dans la première partie. Et donc bon, l'épisode se termine là-dessus, donc ouais, même si, enfin, non sans un petit cliffhanger de fin avec le retour de Dreyfus, donc ouais, dans un petit village, donc là aussi ça va être assez intéressant de suivre cette petite quête-là, en tout cas dans ces quatre premiers OAV, ces quatre premiers épisodes-là. Mais en tout cas, voilà, dans le prochain épisode, et bah, ça va pas mal castagner à mon avis, puis ça va repartir vraiment de plus belle, comme de juste, et comme on aime bien, et comme on le kiffe bien, et comme le Nanatsu qu'on surkiffe tous. Et donc, bah, sur ces bonnes paroles, l'épisode se termine là-dessus. Sur ce, je vous embrasse très très fort. J'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça. J'espère que cette review aura pu vous faire patienter. En tout cas, je parle vraiment à ceux qui suivent le manga, parce que c'est vrai que voilà, en ce moment, c'est assez hoche, et puis voilà, même au niveau traduction, c'est pas hyper fluide ou autre. Enfin voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, il me manque qu'un seul chapitre, justement, le 187, j'ai réussi à obtenir grâce justement à certains d'entre vous, donc en l'occurrence Vindray et puis Dark Joy, si je dis pas de bêtises, qui ont l'amabilité de me partager justement les chapitres 188 et 189 qui ont été traduits. Donc voilà, rassurez-vous les gars, ils ont été téléchargés. Et donc ouais, c'est une âme charitable, vu que le chapitre 187 a lui aussi été traduit, mais n'est plus disponible en ligne. C'est une âme charitable qui l'aurait téléchargé, pourrait me l'envoyer ou pourrait me contacter pour pouvoir me le transmettre. Voilà, ça serait vraiment super sympa. Parce que voilà, sinon, bah, je vais devoir rester un petit peu bloqué en attendant donc, qu'une autre team le traduise ou alors qu'il ressurgisse un petit peu, je sais pas, qu'il ressorte un petit peu de nulle part pour pouvoir justement essayer de rattraper mon retard. Surtout que je sais qu'il se passe pas mal de choses de ouf et d'épique en ce moment. Donc voilà, ouais, j'espère en tout cas que cette review vous aura pu vous faire un petit peu patienter les plus impatients. Et donc voilà, ouais, je compte vraiment à fond sur votre soutien pour pouvoir essayer de me retrouver ce petit chapitre 187. En tout cas, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont pu le lire en VF et qui ont pu justement le télécharger. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.